dis, viens, je comprends toujours pas. Je te ramène une fille dans la maison, dans ta maison. Est-ce que tu as une maison ici? Moi, je dis non. T'as pas de maison ici. Tu devrais dire quelque chose. Depuis que je suis placée là, tu ne me vois pas. Jusque-là, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là. Je traîne dans mon téléphone. Vous voulez quoi? Attends. Je suis chez moi, tu me ramènes une fille et tu dis que tu voudrais qu'on dise quoi? Chez toi? Chez toi? En fait, tu es chez toi ici. Je te rappelle que je suis enceinte de toi. Pardon? Attends. Elle est quoi? Toi, tu Elle est l'as. enceinte? Ah oui, et puis quoi? Elle est enceinte, et puis quoi? Ah, tu te souviens plus de tout ce que tu me disais? Et attends, avant d'ouvrir ton dossier. Donc, comme toi tu es enceinte, ça te donne l'autorisation de débarquer comme ça, de t'installer chez quelqu'un ici dessus. D'abord, toutes les filles ici dehors utilisent les méthodes contraceptives. Toutes les filles savent ce que c'est que la pilule du lendemain, le préservatif, le quoi, 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 le quoi, 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 quoi. Toi, tu ne demandes pas l'autorisation à un gars. Tu tombes enceinte. D'accord, j'accepte même que voilà, c'est une erreur. Mais parce que tu tombes enceinte, tu débarques pour un jour, deux jours, et puis tu ne rentres plus chez toi. Attends. Tu viens me faire la morale sur mon site. Non. Hein? Parce que quand toi-même tu mettais cet enfant, tu ne savais pas là où on pouvait retrouver les préservatifs en fait. Et écoute-moi bien. Ça, je ne veux pas voir ça ici. Hé, madame, tu m'appelles pas ça. Ça suffit comme ça, tu m'appelles pas ça. Et toi, c'est à cause de toi que je traverse tous ces états, tout cet état-là. Hein? Parce que quand tu fais en sorte que les choses comme ça me manquent le respect Tu dans appelles ma qui chose? propre maison. Hein, pardon? Tu appelles qui chose, moi? Ici, c'est ma future maison. Maison? Oui. Je te rappelle que je vis ici depuis 2 mois. Ok? Je vis ici. 2 mois, je vis ici, là. D'accord? Tu viens pas aussi tonton ici, La là. légende. Hé, gère-moi ça. Hein? Gère ça vite. Hein? Parce que moi, ici, là, je suis pas dans tes bêtises, là. Gère ça vite. Est-ce que je t'ai invité ici? Non. Donc toi, parce que quelqu'un t'a envoyé un message, oh tu me plais, parce qu'on s'est vu 2 ou 3 fois, on s'est envoyé en l'air 2 ou 3 fois, tu crois que tu as l'autorisation, le devoir, le pouvoir de débarquer comme ça? Oui, j'ai le pouvoir. Ici, Oui, à la maison. Parce que quand tu mets mes jambes en l'air, hein, tu me promets ciel et terre. J'ai le droit de faire ce que je veux. Tu connais ce que toi, tu m'as promis pendant que tu avais ces jambes en l'air? Écoutez, mesdames, je ne serai pas là en train de polémiquer ou de parler ou de blablater. Vous devez savoir un truc. Vous n'avez aucun contrat, même pas verbal avec moi, d'une quelconque promesse de mariage. Toi, tu t'es amusé à tomber enceinte. Ce que je ne refuse pas, je vais m'occuper de mon enfant. Mais rien, je ne t'ai jamais demandé de venir t'installer dans cette maison. Tu as débarqué, tu es venu pour un séjour de 1 jour, qui est déjà à 2 mois. Mais comme j'ai un bon cœur, je ne veux pas te chasser. Bon cœur. Et toi, madame, je ne t'ai pas invité. Tu as tes journées, tu as les jours où je t'invite, où on peut corrompre au restaurant, je dépense ce que je veux. Donc, si vous êtes là, que vous avez décidé de prendre les choses en main, parce que vous êtes trop intelligente, prenez donc les choses en main. Évitez-moi dans ça. Allez-y. En tout cas, moi, je vais faire mes 9 mois et je ne bouge pas d'ici. Moi non plus, je ne vais nulle part. Mais bouge tu pas, te il prends va pour rester qui? ici. Tu te prends pour qui? Et toi, tu vas pas venir t'accaparer de mon foyer comme ça. Hein? Ça va pas marcher. Hey, ma chérie, écoute-moi bien. Gère ça avec lui. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Et si tu cherches les problèmes, je vais te donner les problèmes. Tu peux me faire des problèmes. Hein? Quand tu me vois, tu peux me faire des problèmes. Tu ne laisses pas aller à la ma chérie de 1. De 2. Tu n'as aucun document qui certifie que tu es la femme de cette maison. Donc, moi là, je suis là. Je sécurise mon frère. On va tous rester ici. Moi, voilà. Je t'aime 9 mois si j'accouche. Okay. Moi, je suis de mon mari. Oui, ça, c'est votre problème. Je n'ai rien à foutre. Ton mari. Oui, ton c'est mari. Mon futur mari. Ton mari. Oui. On va voir ça ici. Laissez qu'il On dit, va là. Voir ça ici. Là. On dit pas s'il n'y a pas la polygamie. On va voir ça ici. Mesdames, je ne sais pas pourquoi vous vous bagarrez. Il y en a assez pour toutes. Vous pouvez juste vous entendre et chacune aura tout ce qu'elle veut. Non, c'est doucement. Vous n'avez pas besoin de...